Te vi como un museo, te llamó un museo. Pasó un museo. Lo voy a checar de questo. Tu vas aller voir Amiens, c'est ça? Bah, c'est ce que t'avais dit, oui. Oh bah, je vais aller voir Amiens. Je vais voir cette pute. Tu vas comme dire, bah, t'es enculé. Oui. Hein. Donc là, on va aller voir Amiens, qui est dans le couloir de Gryffondor. En fait, elle a pas changé de place, si? Non. Elle est toujours où il y a la table. Normalement, elle est dans le couloir de Gryffondor. Près de la chambre de Gryffondor. Ouais, peut-être bouger, manquer le cœur. On est près du dortoir de Gryffondor. Au dernier étage. Donc là, j'ai tous les punaises d'escalier à monter. Donc là, c'est la partie la plus chiante. C'est bien que les escaliers n'ont pas bougé parce que c'est trop lourd. Donc c'est des escaliers magiques là. Là c'est bon, je suis arrivé. Porte 5000, c'est où? Mais c'est où le tapis là? Ah voilà, c'est le par là. Ah voilà. Je vais voir Amiens. Cher. Et comme il y a des à côté, je pourrais peut-être me les peu. Même si. Bof, peut-être. Moi je prends que la couverture, moi je prends pas le page du milieu. Oui, mais bon. Moi je prends la première des couvertures et la quatrième de couverture. Bah, ils vont rien pour prendre les abonnés. Tu vas devoir entrer dans la serre pour récupérer le sortilège. Ah, c'est rentré dans la serre maintenant? Ah oui, c'est plutôt ça, plutôt. D'accord. Ouais. Donc maintenant, il faut rentrer dans la serre. C'est pas retourner au chaudron, en fait. En fait, non. Bah si, mais peut-être qu'elle a changé d'avis entre temps. Bon, non. Parce qu'on avait fait le chaudron. On avait validé un truc dessus. Oui. Donc là, je vais retourner à ça, mais il y a 4 serres. Je vous rappelle qu'il y a 4 serres. Il y en a plusieurs serres. Avec des trucs qui nous bloquent le passage aussi. Donc il y a plusieurs serres, donc trouvez la bonne serre. Donc là je peux pas passer par ce rambarde pour me sauter. Ça irait plus vite, hein, clairement. Mais là je veux... C'est des escaliers qui bougent un peu, donc... Il n'y a plus d'escalier, c'est normal. On prend l'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Non mais je sais, hein. C'est juste pour blaguer. Là j'envoie un sortilège sur la porte, moi. Je suis complètement foufou. Ça m'arrive des fois aussi. J'ai fait ce mauvais bouton. Là, je vais aller dehors. C'est fermé à clé. Ouais, grande salle commune. Mais je vais pas aller dans la grande salle, moi je veux sortir. Et où les sorties dedans? C'est quoi ce truc? Pourquoi? Ça doit parler. Ah non, bah non. Je passe par un truc que je sais même pas ce que c'est. Et où la barre de sortie là? Voilà, voilà. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Donc là j'ai trouvé la sortie. Maintenant c'est quelle serre Eden? Tu l'as dit. Ah oui, j'ai un bon cul en fait. Ils vont rien comprendre les abos. De quoi? Les abos ils vont rien comprendre ce que tu dis. Je suis en train de regarder les photos que Jordan a pris en rencontre derrière mon dos. Et je me trouve pas beau. Moi j'ai pas intérêt de faire ça, mais je vais en faire un peu plus tard parce que ça soit plus simple. Mais en plus tu m'as photofocus. Ouais, c'est les feux qu'il y a sur le Messenger. Ça sera encore plus bien. Mais pour ça c'est fait. Et pourquoi Jordan, il a mis un drapeau après? Je sais pas, c'est l'autre du... l'autre là, comment tu m'appelles? Ah oui, c'est pour ça. Il a mis, tu sais, à la place du pouce, il a mis ça, l'autre là. Ah, il a mis trop bien l'autre. Ah, mais il a mis ça à la place du pouce, l'autre là, comment tu m'appelles? Oui, je m'appelle. Angèle, il a mis ça à la place du pouce. Oui. Attends, je vais écouter ce qu'il a dit dans les 13 secondes. Mais je l'ai fait écouter déjà. Non, c'est... Pourquoi tu t'en vas aussi loin? Pour pas déranger. Ouais, je crois qu'on l'a dérangé depuis longtemps. Je trouve pas. Avec le chaudron. Voilà, la tête. Ah, il y en a tellement. Ah, d'accord. Non, là, tu touches les trucs, il faut pas. Oui, je crois que j'ai trouvé à faire. Ça sert, on peut pas. C'est exactement ça. Je sais pas comment ça s'en va. Peut-être voir à grid. Avant que ce soit encore la nuit, là, dedans. On n'aime pas la nuit, hein. On va y le voir. Attends, c'est ça que je peux aller voir, et après je peux aller voir ce que c'est. Pourquoi tu veux tirer dessus? Parce que je me dis que c'est pareil, mais c'est pareil, je sais pas comment il faut tirer. Voilà, ça fait comment? En fait, il faut les détruire, les faire brûler. En fait, tu peux les ramasser une fois qu'il est... Une fois qu'ils font du bruit, tu peux les ramasser, puis les jeter par terre. Ça peut se détruire. Ah voilà, enfin. Ah bah ouais, elle est plus grande la serre là. Putain comment elle... Honte la serre. Il y a trop de monde par là. C'est quoi, j'ai passé par là, il y a moins de monde. Voilà. Et ben livre. J'ai ramassé le livre, c'est bon, terminé. Eh, je suis trop bon. Oui, j'ai trop de livres. Je vais aller voir l'autre Hermione. J'espère que c'est ça parce que sinon j'ai rien trouvé d'autre. Il faut qu'on monte toutes les escaliers. Putain, c'est du sport de remonter les escaliers. Il y a même un papier dedans? Ça doit être le marque-page. En plus, c'est un truc de foot. Il y a une tête. C'est pas Olivier Tom? Non. Tu veux le garder? En plus c'est pour les 7-11 ans. Mais c'est pour ton âge? Ouais, c'est ça que j'ai dit. Et mon gars, ça peut chaud ou pas? Non mais Jordan il saute ma gueule, hein. C'est marrant. Les abonnés ils vont sauter de ta gueule, ils vont te dire c'est bizarre. Personne là, quand même un truc de 7-8 ans, c'est bizarre. Pas 7-8 ans, c'est 7-11 ans. Non, pourquoi? Parce que j'ai la flemme. Ah bah tiens, voilà, c'est bon. C'est qui ça? Que je te déchire. Ça, mais... Ah oui, c'est... Comme... Mais comme j'ai su le truc, mais en fait... Qu'est-ce que c'est ça? Cette voie-là, elle avait déjà été faite à un moment, au début du jeu. On avait déjà entendu. Ou pas bon. Le Jordan est en train de prendre la télé en photo, on sait pas pourquoi. Tu viens, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens. C'est pour ça qu'Harry Potter ne bouge plus d'ailleurs. Monsieur Potter, mais qu'est-ce que... Oh! Que s'est-il passé? Je ne sais pas, je l'ai trouvé comme ça. Suivez-moi, Potter. Ah, comme dans le film. Elle mena Harry au bureau du professeur Dumbledore. Mais professeur, je vous jure, je n'ai... Ouais, comme dans le film, il y avait un truc comme... Oui, je me rappelle plus. Il le choix pour magique. Je me demandais si je t'avais envoyé dans la bonne maison. C'est vrai que le choix a été difficile. Mais je maintiens ce que j'ai déjà dit. Tu aurais eu ta place chez les Serpentards. Il y trouva également Fumsec, le phénix du professeur Dumbledore. Les phénix sont des créatures fascinantes. Ils peuvent transporter des charges très lourdes. Leurs larmes ont de grands pouvoirs de guérison et ils sont très fidèles. Sans oublier le professeur Dumbledore. Je ne pense pas que tu sois coupable, mais j'aimerais savoir si il y a quelque chose que tu veux me dire. Viens, viens à moi, que je te déchire, que je t'écorche. Alors... Non, rien, professeur. Très bien, si tu en es sûr. Bonne nuit, Harry. Il y a une drôle de voix, Dumbledore. Bonne nuit, professeur. Ouais. C'est pas comme ça, normalement. De quoi? Ta photo. Abi katana sauver Neville coincé derrière la tapisserie. Ah, je sauvais Neville. Ah oui, mais il est encore bloqué sur la tapisserie. Bah oui, je pouvais l'aider en fait là. Mais clairement, je savais pas où la tapisserie est bloquée. Ah, c'est là où elle était, en milieu de tapisserie. Ah d'accord. Du coup, qu'est-ce que je fous là? Bah, je sais ce que je fous là, mais je retrouve l'escalier pour remonter tout l'escalier pour que j'aille voir la même chose. Là, je m'en fous en fait, tout ça. Clairement, je sais pas où je suis là. Donc, ce que je vais faire ça. Ça. Alors, je suis là. Faut que je refasse le tour. Faut que je retrouve les grands escaliers en fait là. Ah mon avis. C'est bien, il y a un plan sur le truc donc c'est bien, c'est sympa. Je sais pas si t'as vu qu'il y avait un plan. Oui, j'ai vu le plan. Ça m'aide. Je suis un peu paumé là. Ah là, j'étais un peu paumé donc du coup j'ai été. Vu que c'est grand. En fait, il fallait juste que j'ouvre une porte et j'étais arrivé au grand escalier. Et je cherchais comment. Où était ? Entochère. Du coup, je suis arrivé là. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, tu le vois là, il y a un moment. Bien joué, Harry. On peut libérer Neville maintenant. Ah, c'est le tapis. Bien joué, Harry. On peut libérer Neville maintenant. Oui, t'appuies sur la tapisserie. T'as du coup. C'est presque fini. Mais il arrête de pisser et... Rien, c'est pas rien. Ah ouais. Mais tu gaspilles toutes mes boules puantes. Et essaie de trouver le truc pour l'ouvrir. Bah... Oui. Bah maman, ouais c'est bizarre. Bien joué Harry, on peut libérer Neville maintenant. Oui, vas-y, libère Neville. Bah c'est bizarre un peu. C'est pas un crétin Neville par hasard? Hermione est moins intelligente dans le jeu que dans le film. Oui, elle est conne dans le jeu de toute façon. Trouvé scientifiquement. Oh merde. Oui. Et en plus, je peux être rien à faire ici. Clairement. Je me rappelle plus de ce moment en fait. Et d'un seul coup, j'ai vu le profil, j'ai dit ah oui, d'accord. C'est quoi cette série là? Merde, ça c'est pour le dortoir, il y a rien. Puis il va dans le. Ah ouais, c'est sympa. Donc voilà, rien d'intéressant. À moins que vous ayez envie de dormir. Là, j'étais... Eh oui, t'as rien demandé, quand même. Numéro 46, Miranda Fauconnet. Allez, bouge, allez. Mais comment on est bloqué là ou quoi? Bah, je sais pas. Il devait y avoir un petit truc. Lance un puedes dormir. Se más no quer dormir já foi. Você me faz assim. É pra ele vir só te ajudar, não com? Vai voltar. Agora já que acaba da goma. E vamos para cima de moço, acaba da goma. Hoje vou já dar no inventaire e que já tire goma da goma à place de moço. Les mousses, ça se fait mal. Elle en a mis du temps pour nous le dire. Eh ouais. Ouf, merci Harry. Je me voyais déjà coincé ici pour l'éternité. Oui, mais je t'aurais bien laissé plus longtemps. Oh, tout cela m'a épuisé. Je crois que je vais aller me coucher maintenant. Mais Hermione, Nick quasi sans tête a été attaqué et je... Oh, et puis je te raconterai ça demain matin. Ah, du coup là, mais lendemain matin. Ah, tu vas me branler quoi. Ah, du coup, il y a une nouvelle pièce qui est libérée. Ouais, t'es un coffre. Oui, ça débloque. Numéro 65, Gondoline Oliphant. Je me dis si tu veux jouer. Tu vas t'en avoir. Non, mais comme ça, c'est terminé. Hein. Faut que tu gâches ta salade. Fin de la journée. Fin de la journée. C'est quoi cette aventure? Oui, faut que tu appuies dessus, c'est pour... voilà. Activer le temps. T'as fait là? Oui. C'est pour faire l'ellipse, sinon tu t'avances pas. Pour accélérer le temps. Du coup là on a changé de jour. Donc là on a changé de jour. Ah, c'est les points, ça. Ouais. On aura plus de points que tout le monde, je pense. Je t'ai pas vu, en fait. Ah, c'est le lot d'entrée, on pourra toujours retourner le voir. Je suis dans ma chambre. Je vais aller voir les affaires. Bah, on n'a rien à faire ou quoi? Ah bah, pour le moment, ouais. Mais comment on fait? Bah, faut descendre. Et on dirait qu'il survole les escaliers. Salut, Hermione. Qu'est-ce qu'on a comme cours ce matin? Défense contre les forces du mal, avec Gilderoy Lockhart. J'ai tellement hâte. Et moi donc? Rejoins au troisième étage, devant la salle de défense contre les forces du mal. Il est vrai. De Lockhart, là. Le con, oui. Je crois même pas. Harry, il faut que tu saches. Certains élèves disent que c'est toi qui as pétrifié Nick quasi sans tête. Ah bon? Ah bah ça, elles sont mon con, hein, ce genre-là. Ou c'est contre toi, en fait. Je suis sûre que tu n'es pour rien dans ce qui est arrivé à Nick quasi sans tête, Harry. Mais bon, j'étais coincé derrière la tapisserie quand ça s'est passé. Ouais, donc ça peut pas être toi, en fait, hein. C'est l'heure du cours de défense contre les forces du mal des deuxièmes années. File au troisième étage. Ah, c'est vrai qu'on est au dernier étage, là. Je peux pas oublier le troisième étage, là-dedans. Ouais, mais après je sais pas avec quel niveau et troisième étage. Mais t'as pas de copyright avec cette vidéo? Non. Parce que j'ai des fois il y a des jeux vidéo où avec la musique des jeux vidéo t'as copyright. Belle journée pour une promenade en balai. Okay. On m'a appris pour Nick quasi sans tête, Potter. Ça doit être terrible pour un fantôme de maison. Sans mal, oui. Porte fermée. Mais il y a beaucoup plus de billes là-dedans, c'est beaucoup mieux. Je préfère en journée que lui. Mais lui, ça fait plus peur. Pourquoi spécialement? Il faut qu'on était aussi, quoi. Pendant un moment. Ben, je vois pas où il est le 3. Ah oui, c'est marqué, heureusement. 15, 5. Derrière qu'il survole les quatrièmes. Et ça va être là. Quoique. C'est fermé à clé. Il me dit vas-y vite, moi je prends tout mon temps, sérieusement. Hein. Ah, il y a un truc. Moi je sais pas jouer là. Attention. Ah, tout est pour ça? Ah, d'accord. Tout ça pour rien. De loin. Il m'était tué un objet en même temps, mais j'avais dû le prendre peut-être. J'étais déjà allé où il y a les tortues. Les tortues crachent sur le feu là? Ouais. Je suis au troisième étage, mais après je trouve pas la bonne porte. Toilette fille. C'est fermé à clé. Ah c'est con pour les toilettes que ça soit fermé à clé. Ah là je suis. J'ai réussi à redescendre au troisième étage. Deuxième étage. On est ici là. Ça va être dans une de ces pièces. À mon avis. Ouais, j'ai trouvé. Le cours. Les forces de mal. Ah, c'est avec lui là? Avec eux. Avec lui là, le truc. Tout le monde m'entend? Le fouille qui. Cette année, je vais enseigner l'art du duel. Je vous présente mon assistant, le professeur Rogue. Harry, approche s'il te plaît. Le défi du sortilège Expelliarmus se déroule par ici. Bah vraiment, tu as vu ça trouver, tu vois. Tu as vu ça trouver, tu vois. De l'autre côté du portrait, lorsque tu auras récupéré ce livre, tu pourras lancer des sortilèges Expelliarmus à ta guise. Comment on lance ce sortilège alors? Ah, ça arrive toujours, c'est bien. Je me demande si le livre du sort ne se trouve pas au bas de ces escaliers. Bah vas-y, hein. Oula, il y a des tout chauds, là. Ah oui d'accord. Oula, c'est un peu bizarre son truc. Oula, ça va chauffer, je le sens. Est-ce que j'y vais ou pas? Bah t'as pas le choix. Ah ça marche. Ça se trouve il va rien se passer hein. Et les gars, là on passe, je ne peux pas y aller. Lo voy a pedir, lo voy a final más juego. Entonces, acá sobre el pozo no tengo. Sí, il y a des trucs à ouvrir et il y avait des bêtes dedans. Voilà, je peux le voir un peu loin. Dessus. Ah bon? Bah, je pense. Oula. Je pense à moi. On va faire quoi alors? Voilà, je vois pas du tout là. Está no. Comme ils reviennent après les trois stages. Ils reviennent facilement en fait. Il faut que tu passes. Bah oui, mais je passe, mais de côté y'a rien. À côté c'est un mur. Ouais. Est-ce qu'on y escalade pas? Regarde en chose à faire. T'as déjà fait le cours de défense contre les forces du mal? Mais dites rien de plus. Ah oui, il doit y avoir un truc par là-haut, mais... Mais ça, je peux pas sortir en plus. Je peux pas sortir pour sauvegarder autre part et il n'y a pas de sauvegarde ici. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le choix de obligé de te mener. Bah je crois que j'aurais besoin de toi là, Eden. Bon, je surveille, hein, tu sais. Je trouve pas une solution là, parce que là, je galère un peu là. Si tu mets dans une boule puante, ça va rien faire. Oh non, on gaspille. Je n'en ai plus. Merde, on n'en est plus du tout là. En plus. Ah, ça fait rien. En plus, c'est le truc vert là, dans X. Ah d'accord, il est beau dans le truc vert. Oui, bah je sais pas, hein. Tu veux que je pèse un peu plus alors. Tiens, oui. Je suis là, là t'as ça, t'as ça. Il faut aller à l'étoile là-bas. La flamme. Ah, faut aller à la flamme? Le truc jaune. Bah je pense, hein, je pense. Ouais, je pense. C'est une manière plus logique. Mais tu vois, il y a un mur en face. Mais il y a une espèce de rond là-haut. Je sais pas si tu vois où il est, le rond. Ouais, je le vois en haut, au centre. Il y a presque au centre. Faudra peut-être aider. Je fais l'inventaire. C'est quoi ton machin là? C'est pas ça que je vais faire. Déjà qu'ils changent de couleur, à un moment ils sont violets plus foncés. Oui, c'est quand ils foncent dessus en fait. Ah oui, ça veut dire quand ils foncent dessus. Mais tu vas encore mourir. Mort. Bah, tu sais. J'ai changé mon truc. C'est parce que tu trouves pas de solution que tu veux pas. Aussi, ouais. Quand j'arrive là, tu vois, je vais toujours moi. Mais je veux pas monter. Là, il y a deux espèces de mains. Mais si je les active, ça m'envoie le... Là, si j'envoie ça, ça fait la boule, là, les trois boules. Donc on était débloqué, mais là, on est encore bloqué, hein. Wow. Sacré jeu. Ouais, et il est assez dur, quand même. Je sais, ça. Ça demande de la réflexion. Allez, fais pas bouger, moi. En fait, il fait pas bouger le machin, c'est ça qui m'explique. C'est quoi? J'ai dit, t'as encore fait tomber ton téléphone. C'est pas ça. Tu fais quoi? Tu tapes dans le mur. Passage secret, rien. Et que ces trucs là qui paraissent faire quelque chose, qui font quelque chose. Ouais, regarde, j'ai un truc. Là, il y a l'air d'avoir un passage là ou un passage là, tu vois. Après, c'est comment y monter, tu vois. J'essaie d'être les trois en même temps, mais... Ah, faudrait que je détruise les trois en même temps, pas trop. Ah, faudrait que je détruise les trois en même temps, mais pas me détruire moi, ça serait bien. T'as qu'il trollait en fait, c'est bon. Ouais. Mais c'est toi qui revient, c'est toi qui revient. yo con el pelo sucio tomo mucho y vos no tenés idea, pero soy yo. C'est de la triche. À moins qu'on triche, bah demandez aux abonnés, c'est aussi de la triche, je te signale. Bah oui, on ne demande pas ce qu'on a fait le chat. C'est qui met un commentaire. Ah bah là, t'as trouvé un truc là. Oui, j'avais toujours fait, c'est ce que je fais depuis le début. Ah oui, d'accord. Et après ça, ça me détruit. Oui, puis après ça revient. Mais comment tu t'es sauvé là-dedans? J'étais voir le professeur la con là. Ah oui, d'accord, il attendait un peu. Mais c'est le cours en fait, ça, c'est le cours. Oui, d'accord, c'est le cours. Il est beau le cours. J'ai compris les voir, je crois, sur Internet, c'est pas connu. Allez, revenez vite. On va expliquer un. Putain, il me reste plus qu'un à détruire. Ah, fallait peut-être aller plus vite possible. Parce que j'essaie de spoiler la touche, là, de gazer sur la touche, mais j'arrive pas à le gazer. Ça va finir par un game over ça. Et c'est fini toujours par game over donc. Vas-y, je vais aller voir sur Google, c'est la solution. Donc on a un peu les solutions. J'ai pas très bien compris mais bon. J'ai dit d'aller au centre. Hop. Après c'est que. Tourne au centre. Va au centre, tourne-toi vers un des lanceurs de... vers un des... devra lancer un faible sur chaque main que tu fasses entrer des monstres. Donc oui, j'avais remarqué des monstres, donc je vais aller dessus, et je vais flipper le dos. Alors, déjà un de fait, et je vais faire sur le deuxième après. Et si on peut me les prendre, ça serait pas mal. Voilà. Ah non, c'est pas là que je voulais. Voilà. Là, El Quidditch Club. D'accord, bah c'est très simple en fait. Tu les excites. Bon, en fait, tu dois aller trouver tous les monstres maintenant. Un par un. Non, comme c'était pas ce que tu faisais tout à l'heure. Si, mais tu dois les trouver tous en même temps. Mais c'est qu'à chaque fois, ils ressortent. Non, là, t'as pas le temps. Ouais, c'est un peu chaud, hein. C'est l'étape la plus chaude, hein. Il n'avait plus d'en revenir. Au bout d'un moment, il revient plus. Voilà. Bah voilà, en fait c'était bien ça. Oui, mais au bout d'un moment il revient plus, donc c'est ça. C'est super compliqué, mais au bout d'un moment il revient plus. Ils reviennent au début, beaucoup de fois. Au bout d'un moment, ils reviennent plus. Ouais, de ce côté, ils reviennent plus. Voilà, si on avait su péter tout ça. Bah, ce que je voulais faire, mais je trouve ça un peu bizarre qu'ils reviennent à chaque fois. Bah, voilà, c'est ça. Il y en a encore. Il faut au moins les vaincre, je sais pas, 3-4 fois. Au moins, c'est pas mieux. Là, ça commence à quoi. Il y en a une plus là. Et après, je peux monter facilement. Une fois qu'ils sont partis, je peux monter facilement. Ok. On laisse le vide. Je peux remonter plus facilement en fait une fois qu'ils sont partis. En fait, là, je me suis cassé la tête à faire un truc pour rien en fait. Détruire les deux orques et les casser. À détruire. Les caisses à détruire, j'ai détruit les deux. Yes! On a un peu triché, on a un peu regardé les solutions sur internet, mais c'est légitime là. Oui, on peut dire ça. C'est pas stable. Quoi, c'est pas stable? Bah, la triche. On aurait bloqué comme l'autre. On est juste regardé en courant. Bah, c'est jeu.fr. Ouais. Je veux dire, jeu.fr, c'est le forum qui est. Je connais. Ouais, c'est celui que je connais. What the fuck? Et je vais où? Je sais pas, mais il est pas dans le mur en tout cas, ça c'est sûr. Ah d'accord. Comment on fait pour aller à la porte là-haut? Oh là! C'est quoi les trucs avec les piquants là? Ah d'accord, j'ai compris. Ahora estoy muy bien. ¿Qué es? Vamos a decir. Estoy muy rico, güey. Ya llegamos. Qu'est-ce que... J'ai peur de lui parce que là je suis la merde. Allez au bout de la salle. C'est presque public. Et c'est la salle des frayeurs. Putain, faut que je revanche ou quoi? T'as bonné, faut surtout que je revanche. Non, je pense pas. J'espère pas. Parce que je sème. Faut se dire que non. C'est bon là? C'est bon, je crois. Ah oui, mon vieux. Ouf. Ok, d'accord. Allez, Nel, souhaite-moi bonne chance. Tu vois la porte en face? Pour passer là. Tu vois la porte? Et moi je vais aller en face. C'était un monde derrière moi aussi, peut-être. T'es pris un gros coup dans le... Échiqueté. Faut peut-être y aller en se cramponnant au sol. Non, même pas. T'as ça devant toi dans la vraie vie qui va pas. Là il y a 12 octobre, deux Batman, la sortie Bolton, passe au cinéma. C'est Félix qui a envoyé ça. Je l'ai pénalé dessus, il m'a éjecté comme ça. Bah, comme ça, ah, mais non, vous avez posé ou quoi? Bah là, non, mais à chaque fois, ils nous donnent des trucs de ouf. Je crois que je préférais la version PS1, elle m'avait l'air plus simple. Ah, bah, c'est sûr, elle est... Tu la connais, la version PS1, non? Ouais, pas celle-là, mais. Mais je connais une, ouais. Le PS2, peut-être. Le PS1. Le PS1, donc, le PS1. Comment ils appellent déjà la version? Mais non, t'achèterais, hein, je l'avais, mais je l'ai plus. Mais c'est pas possible! Mais mec, c'est pas possible! Ah, au bout d'un moment. Ça me trop pas super! Et lui, faut pas que tu le jettes dedans, peut-être? Dans le truc, là. Oui, ouais, c'est ça. Ça doit bien servir à quelque chose, je pense, les petits bonhommes, là. C'est vachement plus ralenti. Ça arrive vachement ralenti. Ouais, non, pas encore. Et je crois qu'il fallait que t'en butes encore. Quoi? Bah, je crois qu'il fallait que tu les butes encore. Non, c'est pas ça, ça c'est pas un problème, on s'en fout de ça. Non, mais c'est qu'il y avait deux trucs à détruire. Ça ralentissait le. Ouais, parce qu'en fait, il y avait deux trucs qu'il fallait détruire, il les détruit. Je sais pas. Un truc comme ça détruire, et un truc comme ça. Allez. Il arrête de plus en plus. Ils sont arrêtés. Allez, comme il n'y a rien de vachement. Il fallait me passer là. Attends, je suis à peine derrière le truc et on détruit. Alors que le machin il était complètement à droite, et l'autre à droite, à gauche, je passe au milieu, je suis à la place. C'était pas assez ralenti encore. Je sais pas, j'ai compris celui-là. Ah, je commence à pas comprendre, mais là ça commence à être compliqué. Je vais le jeter. C'est chelou, j'ai jeté dans le vide et rien n'est là, j'ai jeté dans le vide, rien n'avait ce que ça fait. Là, il n'est pas tombé dans le vide. Ah, mais c'est qu'il y a rien ou quoi? Bah oui, c'est... En fait, tu tires dessus, puis ça ralentit le truc. Donc, allez, je vais là, oui. Il est peut-être dans le... Ah bah, voilà. Hein? Ça peut nous montrer la triche là. Je sais pas, je comprends rien sur le jeu. J'ai plus du mal à comprendre là. Non! Non, tu vas pas faire ça! J'ai essayé de passer un. Ah. Dernier, j'ai pas réussi. J'étais trop. Je me suis arrêté parce que je voulais y arriver, mais je croyais pas que t'étais trop avancé. Et du coup, j'étais trop avancé. Oh le seum. Mais bah, c'est bon signe. Ah, il est faisable quoi. Oui, voilà, c'est bon. T'as pas été patient. Non, je voulais y aller puis parce que c'était bon, mais le problème c'est que j'ai été un peu trop tôt. 5 secondes trop tôt. Là, je crois quasiment y aller. Mai 5 seconden contre-jour. Faut qu'ils soient à peine partis, il faut que j'aille, mais j'ai un peu trop tôt en fait. Ou un peu trop tard, je sais pas. C'est une porte là, mais sur le pôle. Oui. Où cette putain de porte vide, dépêche-toi. Pour con, hein. Il insulte partout. Oula, qu'est-ce qui m'attend là? Oula, il y a un carapuce là-bas. Il n'y a pas de carapuce là? C'est le carapuce qui crache le feu. C'est pas Pokémon. Je sais bien, non. Il crache le feu, il crache de l'eau. Bah, c'est pareil. Non, pas du tout. Ok, je suis dans une espèce de labyrinthe. C'est quoi ces statues là de merde? T'as même pas le temps de passer que... Tu montes? J'ai compris le truc. Ouais, mais j'ai compris le truc déjà, donc c'est déjà pas mal. C'est pas mal de comprendre les trucs déjà. En fait, je dois envoyer un sort sur une statue qui va le faire monter. Là, je torche le truc. Là, j'ai compris, je peux torcher le truc. T'as trop de trucs en fait à faire. Et te bouger beaucoup de vie en fait. Tu verras peut-être mieux que moi. Moi? Oui. Oh. C'est un peu que plus quoi. C'est un peu le but du jeu. Hein. Ouais, enfin déjà dès le début c'était pas très facile je trouve. Ah c'est vrai. Après toi t'as pas insisté au début, au tout début. En plus il me perd vraiment pour lui, je sais pas. Il y a des avis là-dedans, je sais pas. Les coffres, il y a des avis. Ah oui, il y a eu des avis. Oh oui, il y avait un coffre avec des avis. Ouais, tu prends la trop d'idées la dernière fois, c'est bon. Et c'est rien passé de vraiment extraordinaire depuis tout à l'heure. À part que j'ai réussi le truc tout à l'heure. Ah putain, une fois que j'ai ouvert et puis je peux plus récupérer grand chose dedans. Oh, fait chier. Oh, le coffre de merde. Je suis mort. Ah, encore? Il est mort moins 5 fois. Et non, mais. T'as pas testé ce niveau, mais putain mais il est vraiment dur ce niveau. Non mais je te crois parce que quand j'ai vu tout à l'heure déjà... T'as envoyé des choses dans la gueule, comment tu l'as réussi? Un carapuce, c'est dégage. Ça fait pas carapuce. On va le goûter. Ça la mèche alors. Carapuce, c'est dégage. Hop, il dégage. Je avance trop tôt. Oula. Mais j'ai peur. Mais faut pas que je la trouve, faut pas que je la trouve doucement en fait. Merde, je pensais que c'était bon. Il fait un ouch. Ça fait quoi ça? C'est quoi un ouch? Oui. Il a mal. Il a que j'ai mal. Eh hey, mais je t'avais détruit toi connard. Oui je commence à rager, désolé. Je reste pour un jeu de merde. Pour un pauvre jeu là qui.. Pour un pauvre jeu qui vaut pas le coup de rager. Merde. C'est un peu plein. Chaque fois je pars trop tôt. Chaque fois je pars trop tôt. Du coup le fait de partir trop tôt, ben du coup je meurs. Mais putain mais pourquoi j'ai tué chaque fois il me prend. Trop de temps le cul. Comment ça? Non mais... Ah, je suis trop avancé. Quand j'ai fait une fois. Après, je sais pas combien il y en a de trucs comme ça aussi, c'est ça qui est casse-pied. Des quoi, des figures comme ça? Ouais, qui crachent au feu. Le machin qui crache au feu. Pour le premier instant, quoique. Le premier instant parce que. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. C'est là que je commence à bloquer. Clairement. Mais vu que j'ai plus de vie que tout à l'heure, je pourrais peut-être mieux réussir. Là, je vais récupérer la vie logiquement dans le coffre. Ah non, d'accord. D'accord, plus tu arrives loin dans le circuit, plus il détruit plus de vie. Ah oui, d'accord. Limite, tu enlèves la moitié de ta vie et t'enlèves tout d'un seul coup. Donc c'est super chaud en fait. Moi c'est le feu. Moi il y a du feu alors. Attends-toi. Elle monte. ささえ、確かにするってことねえじゃん。 Yes. Hostia, mira cómo el Harry. Il y a une personne qui me demande la date de parution. De quoi? La date de parution. Du livre? Ah, peut-être là. $65 ça coûtait. Non mais je te... Ah putain je rage là, ça me saoule. T'as compris comment jouer là? Bon alors là, à part éviter les flammes... Oui, puis sur le... Pas faire ce que je fais. Et puis éviter les. Et puis passer sur le petit rebord là. Et c'est quand? Ça te regarde quoi? Culé, ouais. Je suis enragé. C'est des chiffres qui veulent rien dire. Ah bon? Mais... Non, c'est pas possible, c'est tout ça alors. Numéro d'édition 72 329. C'est le numéro d'édition? L'année 95. Hein? Là, faut que je reste concentré. Non, mais c'est pas possible ça. Quoi? Non mais j'ai plus de vie, c'est terminé. Allez hop, je suis mort. Oui, ça donne l'impression en fait. Non mais c'est pas possible ça, il y a plus de flamme et tout. Bon bah là je crois que là c'est vraiment compliqué. On va essayer de le passer en même en hors let's play parce que là vous verrez il n'y a que du let's play là-dessus alors je pense que vous verrez que ça. C'est vous. Là c'est la moitié de la vidéo. Je suis obligé pour la photo. Et ben je m'en fous. Ça se voit pas? Non ça se voit pas trop. Ça se voit un peu plus mais c'est beaucoup mieux. Et si je fais ça? Et ça fait pareil, ça fait exactement pareil. Ça te dérange pas? Non. Ça te dérange que je perds en fait. Non mais il parle de la caméra. Je dois mieux. Donc là on finit let's play là-dessus mais je crois qu'on va rester là-dessus. Ouais je pense aussi. En plus là il dure déjà longtemps je pense la vidéo. Et on va surtout... Ouais je sais pas combien de temps dure. Et on va surtout continuer hors caméra on va continuer. Ouais continuer à galérer. Puis on vous reprendra quand on aura réussi ce niveau déjà. Au moins ce passage là parce que...